Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je viens vous voir pour vous présenter mes achats. Voilà, ce matin, je suis allée chez Noz et à la foire fouille. Donc, je voulais vous montrer tout simplement les affaires que j'ai faites ce matin. Donc, on y va, ok? On part tout de suite. Alors, on va commencer par ça. Alors là, en fin de compte, c'est pas très glamour, je vous l'accorde, mais c'est simplement pour les ballonnements. Voilà. Mais oui, je suis ballonnée, j'ai le droit aussi. Voilà. Donc, ballonnement et flatulence. Non, je ne rote pas, je ne sais pas. Je n'ai jamais voulu roter parce que j'ai peur de vomir. Donc, eh bien voilà, c'est un traitement qui soulage rapidement les ballonnements abdominaux dus à des gaz piégés. Eh oui, il y en a qui sont piégés comme ça. Voilà. Alors, étant donné que je mange très, 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 très vite, et d'où ce problème, eh bien, je vais essayer. Hein, on verra. Hein, voilà. Et c'est vrai que je suis énormément ballonnée parce que je mange très vite. Bon, ceci dit, c'est comme ça. Ensuite, j'ai acheté ça. Alors ça, en fait, j'adore. Écoutez, ils vendent ça chez Noz. Je pense que vous devez peut-être connaître. Voilà, c'est tropical fruits. Voilà. Hein? C'est un assortiment de fruits. Moi, j'adore. J'adore ça. Ça coûte 0,75 €. D'ailleurs, je suis en train de penser que je ne vais pas donner le prix tant qu'à faire pour les ballonnements. 0,99 €. Hein? Alors, même si ça ne déballonne pas, ça m'aura pas non plus déballonné mon porte-monnaie. Voilà, donc là, c'est un assortiment de fruits. Donc, dans ce pot qui fait 140 grammes, voilà, avec son jus de fruits, on trouve des pêches, des ananas, des papayes, jus de fruits à base de concentré de fruits. Voilà, donc ben voilà, c'est un petit assortiment et ça, j'adore. Donc, 75 centimes, j'en ai acheté 6. J'adore ça en dessert et puis je mange beaucoup de yaourt et j'en ai un peu marre. Ensuite, j'ai acheté un truc, alors je ne sais pas, hein, je vous dirai si c'était bon, si j'y pense. Hein. J'ai trouvé ça ce matin, champignons tapas. Voilà, en fait, écoutez, ce sont des champignons farcis au fromage. Alors ça se mange comme ça, hein, à l'apéro ou sans apéro, hein, même seul, hein, je suis seule, mais je peux me faire un apéro aussi. Hein. Voilà, et donc ça m'a coûté 89 centimes. Donc je goûterai, je verrai si c'est bon. Voilà, je pose ça. Ensuite, je vous les montre quand même. Hein, je me suis acheté des stylos. Bah, écoutez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je fais une consommation de stylos, pourtant on n'écrit plus. Mais d'abord je les perds. Bah, c'est pas que je les perds, chaque fois je les range. Bon, j'ai des pots à stylos de partout. Donc voilà des stylos. Alors tant qu'à faire, je vais vous en montrer un. Donc en fait, on a deux stylos. Alors j'aime bien parce que j'ai horreur. Voilà, vous voyez, c'est un stylo. Tac. Et on appuie sur le... Ah, regardez comme c'est génial. Tac. On appuie sur le capuchon et la mine sort. Pour qu'elle rentre, on appuie. Voilà, sur le côté de chlac et ça rentre. Ah ah, formidable. Et là, donc j'ai deux stylos noirs et deux stylos bleus pour 75 centimes. Parfait pour ce que je fais. Hein. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça ce matin. Et c'est vrai que je cherchais des stylos et j'en trouvais pas. Chez Noz, j'ai pas envie de mettre cher pour des stylos, hein, franchement. Alors, j'ai trouvé ça. Je vais l'essayer. Parce que j'adore. J'ai horreur d'avoir les mains sèches. En général, je mets beaucoup de crème, beaucoup de lait sur le corps, etc. Et j'ai trouvé cette crème donc qui a une durée de 24 heures. Hein. C'est crème. Pour les mains tenues 24 heures, c'est sûr, je ne vais pas en mettre toutes les 24 heures, j'en mettrai plus. Hein. Pour peau sèche, donc application chaque jour sur les mains très sèches et gercées. Alors, je n'ai pas les mains gercées, je n'ai pas les mains non plus très sèches, mais je préfère les hydrater un maximum. Donc, j'ai trouvé ça. Ça s'appelle Hand Cream. Voilà. Docteur Wex. Bon. On verra ça et je vais l'essayer et donc 1,49 €, hein. Franchement ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Voilà, ensuite
un peu alimentaire aujourd'hui, hein. Alors, j'ai acheté des pâtes biologiques italiennes, 500 grammes. Donc, elles sont à base de... C'est des fusillis. Vous voyez ? C'est celles-là. Ouais. Elles ont la couleur de pâte complète. Et elles sont à base de blé entier biologique. Alors, évidemment, comme j'ai de la chance, le prix n'est pas dessus. Donc, je vais vous le donner quand même. Alors, je vais le trouver. Je ne vais pas mettre 4 plombs quand même à trouver un prix. Parce que ça, c'est, ça me gonfle. 1,50€, hein. Un paquet d'un kilo. Non, plus que n'importe quoi. Un paquet de 500 grammes. Voilà. Et j'ai acheté d'autres pâtes biologiques exactement faites de la même manière. Et ce sont des pâtes alimentaires de qualité supérieure de blé entier biologique. Donc 500 grammes. Et c'est celle-ci. J'adore les pâtes! J'adore les pâtes comme toute italienne qui se respecte, bien sûr. Ensuite, j'ai trouvé, alors ça c'est génial, hein, parce que je peux vous dire que moi je mets du, quand je mets du Ricil, quand j'y pense, quand j'ai envie, surtout du waterproof, toujours. Donc pour l'enlever, ben, il faut un démaquillant waterproof. Je l'achète en général, j'en trouve souvent, on en trouve un peu de partout, mais c'est vrai que je l'achète souvent chez Sephora. Et là, j'en ai trouvé chez Noz. Vous pensez bien que je ne me suis pas privée. Donc, c'est ça. Oh, j'y arriverai, ne vous inquiétez pas, un jour à cadrer. Hein. Je ne sais pas, vous ne devez rien voir. Voilà. Alors, je vais vous le dire. C'est Delia Dermosystem. OK. Donc, liquide démaquillant pour les yeux et les lèvres en deux phases. Sans parfum. Nettoie des cosmétiques résistants à l'eau, ben voilà, bien sûr, hein, et empêche le dessèchement de la peau sensible. Et comme ma peau est très sensible, comme moi, donc c'est ce qu'il me faut. Et j'ai payé, donc j'en ai pris deux, du coup, 1,50€, hein, le flacon. Franchement, c'est pas cher. Hein. Là, je sais plus combien je les paye d'ailleurs, chez Sephora, mais pas un peu. Alors là, j'ai acheté un truc. Et là, je vais vous... Parce qu'on se bat toutes. Qui ne s'est pas battu dans sa vie avec des cintres nuls qui glissent quand vous avez des pulls? Moi, j'ai beaucoup de pulls comme ça ou avec... vous voyez, qui sont assez larges. Eh bien, mettez-les. Pourtant, j'ai travaillé dans le prêt-à-porter, je connais. Hein. Mais alors, mettez des pulls comme ça sur des cintres classiques. Vous les retrouvez par terre. Ben oui, ça tient d'un côté, ça glisse de l'autre. Alors, j'ai tout essayé. Il n'y a pas moyen. Hein. Alors, il faudrait des cintres qui fassent 1 mètre de long. Hein. Voilà, pour que ça tienne. Et là, la dernière fois, j'ai trouvé chez Noz des cintres, mais alors géniaux, et j'en ai retrouvé, je peux vous dire, j'en ai repris. Voilà, ils se présentent, bon, à la base, hein, voilà, on reste dans mes teintes, hein, j'adore, donc j'en ai pris 6, 2 paquets de 6 pièces, donc j'ai pris violet et fuchsia. Et là, ce qui a la particularité de ces cintres, c'est vraiment, alors moi, franchement, si vous en trouvez, vraiment, je vous conseille de les acheter. Parce que là, vous mettez des vêtements comme ça, ça ne glisse pas. Parce qu'en fait, on dirait qu'ils sont collants. Mais j'avais dû vous en parler sur une ancienne vidéo, que j'avais faite, sur des achats que j'avais fait chez Noz. Et en fait, c'est recouvert d'une matière caoutchoutée qui colle. Ah, c'est vraiment le top. Celui qui a inventé ça, et ben, enfin, un mec ben, qui n'est pas trop con dans ce qu'il invente. Donc, ça, ben, j'ai trouvé ces cintres. Alors, bien évidemment, il n'y a pas le prix dessus. Alors, on va repartir à le chercher encore sur le ticket. Oh, ben, écoutez, franchement, 1,30€, les 6 cintres, eh ben, croyez-moi, ne vous en privez pas. Et alors là, vraiment, c'est le top du top. J'ai acheté un truc d'enfer que je vais vous montrer. Alors, vous voyez, ça se présente comme ça, mais il y en a peut-être qui ont déjà acheté ça. Alors, vous pourriez penser que c'est une petite pochette à maquillage ou voilà. Eh ben non! Non, 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 non! Regardez! On va l'ouvrir. Choc. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. C'est magique. On va l'ouvrir. Bon, enfin, écoutez, je vais l'ouvrir un max. Et en fin de compte, c'est quoi? Alors, ça se présente. Vous me voyez? Ouais? Eh ben, regardez. En fait, c'est un petit cabas. Voilà. Ça, c'est génial. C'est le système du Kawé, finalement. Et je trouve ça vraiment génial. Là, vous avez une petite poche, hein, si vous voulez votre porte-monnaie. Bon, elle n'est pas fermée, hein, mais bon. Voilà. Et ça, alors là, vraiment, celui qui a inventé ça, ben, c'est le système du Kawé, c'est super. Et j'ai payé ça à 75 centimes. Hein. Donc ça, par contre, l'avantage de ce truc-là, vraiment,
Moi, je trouve ça super. C'est une super invention. Le mec ou la nana qui a trouvé ça, ben, chapeau. Il n'est pas bête du tout. C'est très ingénieux. Parce que vous pouvez, alors là, au moins, vous mettez ça dans votre sac à main et vous avez toujours un cabas. Hein. Parce que vu qu'on n'en donne plus dans les magasins, et moi, mon coffre de voiture est rempli de sacs, et vu que je pars souvent avec ma meilleure amie Ninette, eh ben, j'amène pas mes sacs, et là, ce sera dans mon sac à main. Donc ça, 75 centimes, génialissime. Moi, j'adore. Ensuite, je vais vous montrer, alors là, par contre, je n'aurai peut-être, si, j'aurai les prix. C'est des achats que j'ai fait, il y a la semaine dernière. Je voulais faire une vidéo et j'étais malade, donc j'ai pas pu la faire. Donc j'ai trouvé deux fards à paupières, bah, chez Noz aussi, hein, à 85 centimes le fard. Donc je sais pas si vous allez voir, je l'ai mis, c'est un verre qui est là, je sais pas si vous voyez, hein. Enfin bref, peu importe. Voilà, donc c'est 85 centimes. Voilà, il se présente comme ça. Moi, je trouve l'emballage. Alors, bon, moi, je parle français. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je reste très, très française. Mais ma frange, elle a un problème, là, non? Je reste très française. Donc, packaging, c'est bien. Mais moi, je dirais emballage. Voilà. Eh oui. Si vous voulez, je ne suis pas anglaise, donc je respecte ma langue. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne critique pas les youtubeuses qui emploient des swatchs, des machins, font ce qu'elles veulent. C'est super, moi je vous regarde, je vous adore, mais moi je resterai française jusqu'au bout. Donc l'emballage de ce fard à paupières, qui est donc kaki et qui coûte, c'est en poudre, hein, il est mat, ok, et il coûte en fait 85 centimes. Voilà. Et j'ai pris le même, donc toujours le même emballage, hein, sympa. Là je ne l'ai pas essayé, hein, mais je pense qu'il doit être assez sympa. On peut le regarder peut-être ensemble d'ailleurs. Vous voyez, il se présente comme ça. Voilà. C'est un ton un peu jaune. Alors, est-ce qu'il fait vraiment ça? Je vous dis, je l'ai pas essayé encore. Est-ce qu'on peut le voir? Oui, moi j'adore. Regardez, je pense que vous devez voir là. Il est un peu nacré. Je le trouve très très sympa. Je l'ai serré. Excusez-moi, il y a de l'allergie. Voilà. Donc ça, c'était mes achats de la semaine d'avant. Mais je vous les présente aujourd'hui. J'ai rien pris pour m'essuyer. J'ai horreur de ça. Alors, la semaine dernière, ça je voulais vous les montrer parce que j'adore. Vous savez que j'adore les énormes boucles d'oreilles, c'est mon truc, hein, le collier, voilà. J'ai trouvé, alors pareil, j'ai acheté ça donc à chez Noz et je les ai payés, alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises, 99 centimes la paire. Et elles sont d'enfer. Alors voilà la première paire, donc je vais vous faire voir, je ne vais pas les mettre hein, parce que voilà, je pense que vous devez les voir. Moi je trouve ça super sympa. Donc j'ai pris celle-là. Ensuite, j'ai pris une autre paire. Alors, c'est du plastique, hein, mais je les trouve absolument géniales. J'ai pris celle-là. Donc, voilà, hein, elle se présente également. Voilà, comme ça. C'est très fin, je trouve, on dirait de la dentelle. J'adore ça. L'été, si je bronze, parce qu'en général, je bronze et je suis très noire. Donc, ça, je veux dire, avec des tons de marron, de beige, etc. Voilà, je les trouve superbes. Très fines, très légères. Alors, c'est très, très léger. Voilà, donc ça 95 centimes. Et alors là, j'ai une autre paire. Ça, c'est le même prix, mais c'est ma petite Ninette adorée qui a voulu me les prendre. Bah, écoutez, elle est adorable. Je les trouve d'enfer. Alors, je vais vous les montrer d'abord comme ça. Voilà, elle se présente. J'adore. Je les adore. Et voilà ce qu'elle donne. Je les trouve absolument génialissimes. Voilà, donc ça, ok. Je voulais vous parler aussi d'un autre. Ah oui, alors bon, ça. Alors, je crois, hein, ça doit être 4,99 €. Non, parce que j'en ai ras-le-bol, mon maquillage est rangé n'importe comment. Ce qui veut dire que je prends toujours les mêmes choses, parce que... Mais, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Donc, eh ben oui, je me laisse pousser la frange. J'ai envie. Donc, j'ai acheté cette... Bon, qui ne connaît pas, hein, avec le petit tiroir. Voilà. Et j'ai l'intention de ranger mon maquillage là-dedans. Voilà, donc voilà, mes rouges à lèvres, déjà, il faudrait que je la mette à l'endroit, enfin, vous n'avez pas vu, hein. Donc, le rouge à lèvres, et j'ai un truc aussi, j'ai un truc là-dedans. Donc ça, c'est 4, j'ai plus le ticket, c'est ma Ninette qui l'a, je crois que c'est 4,99 €, il me semble. Voilà, donc ça, c'est génial, donc je vais ranger, et j'ai trouvé un contour à lèvres waterproof. Ah, j'adore. Et comme moi, mon contour de lèvres, bon, à part là, j'ai du fuchsia, donc c'est du fuchsia, ça donne ça.
Moi, j'appelle ça une démonstration. J'ai le droit. Donc voilà, le contour des lèvres, c'est ça. Et là, par contre, je ne sais plus si c'est 1,50 € ou... Je n'ai pas de ticket. Mais je ne vais pas payer cher. Écoutez, donc la durée, c'est 24 heures, par contre. Hein. Modèle Lip Liner, d'accord. 1 ml, d'accord, ok. Est-ce qu'il y a une marque là-dessus? Vous remarquez, je ne parle pas tellement de marque. Hein. Même s'il y a des marques ou des sous-marques, les marques, je m'en tape, en fait, complètement. Moi, ce qui compte, c'est les couleurs, c'est ce qui me plaît. Ça peut être la marque Booktou, la marque Broubroute, la marque Prout Prout Merde, je m'en fous. Les marques, je m'en fous. Moi, je prends ce qui me plaît. Donc, c'est une longue tenue. Et ça, alors là, moi, les longues tenues, j'adore. Voilà. Donc, ça, bon, voilà. Je vais vous parler d'un truc aussi. Ça, je l'ai acheté l'autre jour. Bon, alors ça, par contre, ça n'a rien à voir. C'est avec Noz ou voilà. C'est, en fin de compte, c'est du collier, hein, ni plus ni moins. C'est du collier bleu. Alors, c'est vieux comme Hérode. Quand j'avais 16 ans, 17 ans, j'en mettais. Hein, pour vous dire que ça ne date pas d'hier, ce collier. Donc, ce sont des gouttes bleues. Mais alors, les gens vont vous dire, ouais, ça fait le blanc de l'œil blanc. Non, 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 non. Attendez, d'un coup, vous avez les yeux bleus aussi en mettant. Alors, elles sont bleues, effectivement. Hein. L'autre fois, j'ai fait peur à ma petite fille parce que j'en ai mis. Je suis allée vers elle comme ça. Elle m'a dit, mamie, qu'est-ce que t'as? T'as les yeux bleus, pas les yeux, t'as les larmes bleues. Et en fait, donc, c'est une lotion hydratante, stérile, pour les yeux, c'est détente, en fait, et éclat. Mais pourquoi éclat? C'est pas d'un coup, vous mettez ces gouttes et vous avez le blanc-blanc, non. C'est qu'en fait, vu que ça décongestionne, tous les petits vaisseaux que vous avez dans les yeux, ben, ils vont être décongestionnés. Voilà. Et donc, j'ai acheté ça, parce que c'est vrai que c'est génial. Moi qui ai toujours des problèmes au niveau des yeux, je fais beaucoup d'allergies, j'ai les yeux qui me démangent, et ben je peux vous garantir, d'ailleurs, ils le disent, il faut mettre 1 à 2 gouttes dans chaque œil plusieurs fois par jour. Alors moi j'en mets 1 à chaque fois, parce que sinon ça coule, donc 1 à chaque fois, je le fais 3 fois hein, dans la journée. D'ailleurs ça me rappelle à l'ordre. Hein. Voilà, donc en fait ce que vous avez dedans, vous avez de la camomille, ben oui, c'est voilà. Qu'est-ce qu'on a? Bleu de méthylène, c'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont bleues, voilà, enfin bref, il y a tout un tas de petites choses. Donc les gouttes bleues s'utilisent, alors en fin de compte, les gouttes bleues s'utilisent pour atténuer les sensations de fatigue oculaire. Picotement, voilà, mais c'est vrai que ça fait un bien fou, j'en ai mis tout à l'heure, voilà. Sensation de brûlure. Traitement des yeux rougis, c'est pour ça que je vous dis, on croit que le blanc devient blanc, non, c'est qu'en fin de compte, vos vaisseaux sont peut-être moins dilatés, par une action mécanique d'hydratation de la cornée. Voilà. Et en fin de compte, si vous êtes sur les ordis, etc., on passe quand même du temps sur les ordis, donc ça c'est génial, donc j'ai payé ça 6 € et des poussières. Hein. Alors par contre, dès que c'est ouvert, ça ne doit pas dépasser 1 mois, d'accord, voilà. Donc j'ai pris ça à la pharmacie, c'est Inoxa. Voilà, pour voir quelque chose, mes petites filles. Inoxa, je pense que là, vous devez voir. Ouais, Inoxa, goutte bleue, hein, pour celles qui voudront les acheter. Donc c'est Inoxa, goutte bleue. Voilà, et je peux vous dire que ça, vraiment, puisque c'est très, très ancien hein, comme produit. Voilà, donc eh ben, je crois que j'ai fait le tour. Hein. On a tout vu? Ouais. Bah, écoutez, je crois qu'on a tout vu. Voilà. Ben, c'était mes petits achats du jour. Ben, je réfléchis aussi. Non, non, mais on a fait le tour. Chez Noz, en fait, j'en ai eu pour... alors, franchement, hein, tout ce que je vous ai montré, les seins, bon, à part la petite... à part ça, hein, je vous ai dit ça, voilà. Ça et le crayon ne viennent pas de chez Noz. Sinon, tout le reste, vous comptez pas les boucles d'oreilles. Hein, je vous ai acheté la dernière fois, je vous ai donné les prix. Et tout ce que j'ai acheté, c'est-à-dire le sac de course, la crème pour les mains, les cintres, le cocktail de fruits, les six pots, les petits champignons, les pâtes, les stylos, qu'est-ce que j'ai? Bon, en gros, hein, tout ce que je... écoutez, j'en ai pour 15,40 €. Hein. Bon, franchement, sincèrement, merci Noz, c'est génial. Franchement, c'est top ce magasin. Sincèrement, c'est le top du top. Moi, je... Ah, mais c'est un magasin, mais génialissime. Hein. La foire fouille, c'est pas mal aussi. Bon, on trouve des trucs, c'est différent. Mais Noz, moi, j'adore. C'est vraiment le truc foutoir. On trouve tout. Mais écoutez,
J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein? Quand même? Ouais? J'avais acheté un truc. Vous en fichez? Je vous le dis. Moi, j'avais acheté un baume à lèvres aussi. Je crois qu'il vient de chez Noz aussi, celui-là. Je crois. Hein, c'est ça. Mais je l'avais présenté, il me semble. Bref. Vous voulez voir ma bague? Bah, je vous la montre. Bah oui, j'adore. Regardez. Alors, bien sûr, ça fait penser un peu à une armure. Hein. Vous remarquez, je ne l'ai pas mise à ce doigt. J'aurais pu, elle est à ce doigt. Ça fait penser à une armure. Vous allez dire, mais comment elle fait? Ben oui, c'est fait pour. Hein. Elle est articulée. Et c'est une bague vraiment que j'adore. Voilà, moi j'adore tous ces trucs très qui sortent de l'ordinaire, comme ma bague de pouce qui est en argent. Vous voulez la voir, ma bague de pouce? Elle est belle. C'est dommage, on ne voit pas parce qu'en fait, elle est comme tressée. Je ne sais pas si vous voyez. Enfin bref, bon. Ben oui, j'adore tout ce qui sort de l'ordinaire. J'ai horreur, d'abord je ne serai jamais comme tout le monde. Jamais, j'aime pas. Voilà. Chacun sa personnalité. Sur ce, ça vous a plu? Ah. Eh bien, je vous dis à la prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous. Et merci à tous ceux et celles qui me suivent. Je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao. À plus, mes petits chéris. À plus.